Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un quiz abdos-fessiers, axé un peu plus sur les cuisses. On n'aura pas besoin de matériel et comme d'habitude, il y aura les options pour ceux qui sont plus ou moins confirmés. Allez, c'est parti! Donc, on va commencer par l'échauffement. Talons sous les hanches, genoux souples, je serre le ventre et tranquillement, on va commencer ici par ce qu'on appelle les step touch. En amenant le coude bien vers l'arrière pour que nos omoplates puissent se resserrer et vous ajouter un talon fesse. Allez, restez souple sur les genoux, surtout on n'arrondit pas le dos, pour ça je serre le ventre. Allez, on calme un peu. Et maintenant on va lever le genou et descendre les bras. Alors pour ça par contre, à chaque fois, je me grandis jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Ici, vous sentez peut-être le cœur qui monte un peu. Parfait. Et tout doucement, on va réveiller notre taille. Regardez. Hop. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Alors, je m'adapte chez moi. Comme d'habitude, restez avec les hanches face. Et ici, c'est l'épaule qui va donc vers les murs. On serre le ventre. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Allez, sentez la taille qui se réveille. Et je vous propose tout doucement de commencer par les cuisses. Alors, ici, on va rester fléchie sur la jambe d'appui, d'accord? Ne la retendez pas à chaque fois. Elle va rester fléchie, juste, je ramène mon genou ici vers la poitrine. Je serre le ventre, j'allonge le dos. Et ici, je repose à peine le pied, oui. Hein? Ne transférez pas le poids du corps, sinon vous retendez la jambe. Et si tout va bien, regardez, on descend plus bas. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? On essaye. Niveau 1, niveau 2, peut-être niveau 3. Encore un peu plus bas. Allez, on serre le ventre. Sentez la cuisse d'appui qui chauffe. La suite, je pose le pied vers l'arrière. J'ai une largeur de hanche et on descend tranquillement en deux temps. Plus je vais descendre ici, plus je vais sentir aussi mon fessier qui va travailler, d'accord? Donc essayez de descendre le plus bas possible. Gardez les pieds parallèles et on se grandit ici jusqu'au sommet du crâne. Serrez le ventre et petit en bas. 3, 2, 1, redresse. 3, 2, 1, allez encore un peu. Alors, pour vous entraîner, bien sûr, si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre un peu de musique. Et on va bloquer. On bloque, on reste, on bouge pas, on descend plus ou moins bas, si on veut plus ou moins dur ou pas. Et juste, vous avez vu ici, on décolle légèrement, un pied après l'autre. Mais on reste fléchi, d'accord? N'en profitez pas pour retourner les jambes. Au contraire. Et tout doucement, regardez, on va faire la même chose. La jambe qui était à l'appui ici, elle est fléchie, on est sur demi-pointe. Et là, on fait des petites pulses. Alors regardez, regardez, mon buste reste bien allongé, d'accord? C'est pas mon buste qui va descendre, ce sont mes fesses. Ok? Donc justement, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Donc là, vous imaginez qu'il y a une chaise derrière vous et on essaie de s'asseoir. Et est-ce qu'on peut peut-être un peu plus bas encore? Donc vous avez vu, hein, je plonge pas avec mon buste. Hein. On est d'accord? Parfait. Et je me redresse. Et petit. Allez, on appuie sur une jambe. Ici, vous êtes obligé de tirer le ventre pour garder l'équilibre. On se grandit, on fixe un point devant. Et on reprend petit au sol. Est-ce qu'on peut plus bas ou pas? On essaye? Yes! Allez! Encore un peu. Plus bas ou plus haut si jamais vous n'en pouvez plus à ce moment-là, mais vous restez, d'accord? Juste jouer sur l'amplitude et on ouvre et on ferme. Vous avez vu, je reste fléchie, hein? Ne retendez pas complètement les jambes, sinon ça ne travaille plus. Allez! À droite et à gauche. On ouvre et on ferme. Au centre et à l'écart. Et si tout va bien, peut-être que je descends plus bas ou pas. Ouais? Allez.
Allez, encore un peu. Et on va passer à l'autre jambe. Même chose, jambe fléchie. Et je ramène le genou poitrine. Allez, grandissez-vous, serrez le ventre. Le buste qui est parallèle à la cuisse. Est-ce qu'on peut plus bas ou pas? Oui ou pas? Alors, on essaye. Encore un peu. Serrez toujours le ventre. Allongez le dos. Et je bloque. Petit, on descend. En deux temps. Allez. Bien. Allez, prenez le temps de bien fléchir ici. Et sentez le fessier qui travaille comme ça. Trois petits. Un, deux, trois. Hop. Alors, j'espère que chez vous, ça ne glisse pas comme chez moi. L'idée, c'est d'être ancré. Mais quand ça glisse, c'est pas facile. Hein. Allez, on reste, on bloque. On serre. On respire. Et petit, on décolle. Allez, tout petit. Vous avez vu, je réfléchis. Hein. Encore. Et on revient tranquillement. Petit au centre. Vous vous souvenez? Un pied sur pointe de pied. L'autre est à plat. Et on essaie de descendre plus bas ou pas. Sans plonger avec le buste. Sentez les cuisses qui chauffent. Encore. Et je me redresse. Petit. Allez, on se grandit. Là, ça travaille bien sur la jambe d'appui. Et je reprends petit. Et on va redresser tranquillement. Allez, on va passer au sol. Donc, on passe au sol pour travailler un peu nos fessiers. On va faire le relevé de bassin. On commence à bien connaître, je pense. Talon proche des fessiers. Genou, ouverture de hanche. Pas de genou vers l'intérieur, pas de pied vers l'extérieur. Je monte les fesses et je descends sans reposer. On serre le ventre. On les monte au maximum pour bien les contracter. Allez, aujourd'hui, je vais vous faire une petite variante. Allez, d'abord, trois petits en haut. Et je descends. 3, 2, 1, en bas. Sans reposer, gardez la tension musculaire. En cœur, pour 3, 2, 1, et bloquez, descendez lentement. Encore, hop, and down. Allez, super. Encore un. On bloque en haut, petit. Allez, contractez, contractez. Et on va rester en haut juste. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Et il revient au centre. Donc, en fait, ici, vous passez sur les tranches externes des pieds pour que les genoux puissent aller vers l'extérieur. Et on reste trois petits en ouverture. Ils reviennent au centre en un. Un, deux, trois. Ramène. Et single. Juste single. Et on va tout reprendre. C'est parti. Allez, on reprend. Thank you.
pouvez relâcher. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez ramener ici les genoux poitrine et tirer un peu. On va passer aux abdominaux. Alors, pour les abdos, vous allez serrer le ventre et juste, vous savez bien que j'aime bien commencer un side crunch. Allez, main derrière la nuque, ramène les genoux, décolle les épaules et repose. Donc ici, souvenez-vous, hein, on est là, nous montons la clavicule, on serre le ventre. Ce sont mes épaules qui décollent, pas ma tête qui rentre vers l'intérieur. Donc coude en ouverture, comme ça vous êtes sûr de ne pas tirer sur la nuque. Allez, doucement, maîtrisez le mouvement. Serrez toujours le ventre, ça c'est très important sur tous ces mouvements-là, pour éviter les descentes d'organes, d'accord? Et genoux au-dessus des hanches. Petite pulse. On serre le ventre. Hop! L'éloignement de la clavicule. Si c'est difficile, une main derrière la nuque en soutien. N'hésitez pas. Hein? Parfait. Allez, encore un peu. Sentez que ça chauffe. Et double leg stretch. Regardez, j'inspire. J'expire, je tends. On ramène et on tend les bras et les jambes. Si c'est difficile, regardez, on peut ne tendre que les jambes et peut-être reposer ici les épaules. Oui, mais ici, ça travaille beaucoup mieux. Hein. On allonge le bras de l'avant. Inspirez, expirez, tendez. Alors pareil, si vous avez mal à la nuque, il n'y a rien qui vous empêche de mettre une main en soutien. Ça travaille quand même. Et on va rester. Allez, restez en statique. Donc ici, attention à l'extension des jambes. Ne les descendez pas trop bas vers le sol. Si vous sentez le dos qui creuse, n'hésitez pas à les remonter un peu. On serre, on serre, on serre, on serre. Et juste tranquillement, regardez, on va travailler un petit peu aussi notre taille. Jambes tendues. Elle dégage sur le côté et je ramène. Inspirez. Et expirez. Jambes dans la diagonale, d'accord? On ne les repose pas au sol, sinon vous allez vous faire un étirement plus qu'un renfort. Hein? Ici, sentez bien la taille qui s'engage. Si ce n'est pas assez, fléchis le genou du sol, tends la jambe du dessus. Et si c'est trop difficile, au contraire, je fléchis les genoux. Oui? Hein, pour certains, ça travaille déjà bien. Les bras sont en croix avec les paumes de main vers le sol, de manière à être stable et à vous trouver ici l'engagement de la taille. Allez, encore un tout petit peu. Relâcher. Donc j'espère que cette petite séance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire vos retours en commentaire. Je vous dis merci. Je vous invite aussi à me retrouver en vidéo, mais aussi à l'occasion d'articles sur le webzine www.myfitnesslecite.fr. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.